Salut à tous en tennis, gagne mon fils qui reste en finale à Sofia, a réussi son entrée au tournoi d'Indian Wells face à l'Italien Jacques-Julien Maguire. 6-4-6-2, il se qualifie pour le troisième tour. Andy Murray s'est qualifié face à l'Espagnol Carlos Alcaraz pour le troisième tour. 5-7-6-3-6-2. Quant à Félix Auger-Aliassime, finaliste du dernier US Open, il s'est incliné dès son premier match à Indian Wells face à Albert Ramos Vinolas. 6-4-6-2, les scènes d'NBA. En match de pré-saison, les scènes de Phoenix ont battu les Lakers de Los Angeles 123-94. Chris Paul a mis 15 points. Landry Schmidt du 13 points. J'aime pour Phoenix. Tandis que jamais Maggie et Jalen Smith 12 points et DeAndre Ayton 11 points. Et Cameron Payne, 10 points pour Phoenix. Et David Booker n'a pas joué. Du côté des Lakers, Anthony Davis a mis 19 points, Carmelo Anthony 17 points. Joël Ayawi, le français, a joué 8 minutes pour 2 points. Et Russell Westbrook a mis 8 points. LeBron James n'a pas été utilisé. Quant au Bucks de Milwaukee, ils ont battu le Thunder de Oklahoma City 130-110 avec 8 points de Giannis Antetokounmpo, 11 points de Brook Lopez et Drew Holiday et 14 points de Chris Middleton pour Milwaukee. Du côté de Oklahoma City, Théo Maledon a joué 16 minutes pour 6 points et un rebond et 2 passes décisives. Les Bulls de Chicago ont battu les Cavaliers de Cleveland de 102-101 avec 23 points de DeMar DeRozan. Et les Spurs de San Antonio sont imposés 100-100 face au Magic d'Orlando. En WNBA, les Chicago Sky ont remporté le premier match de finale face au Phoenix Mercury 91-77 et à Frances Briand. Arrêtez, il a inscrit 5 points en 21 minutes de jeu. Chicago a déjà fait mieux que sa première finale en WNBA en 2014 qu'ils avaient perdu 3-0 face au Phoenix Mercury. Le Sky a largement remporté le match de la première de la version 2021 en s'imposant 91-77 face au Mercury avec 6 joueurs à plus de 10 points. Un double-double pour Kabea Cooper, 21 points, 10 passes, 3 passes, 21 points, 10 rebonds, 3 passes.
meilleur marqueur des courses, des vendages sur 12 points, 11 rebonds, 11 passes, 5 rebonds. La meneuse arrière de 39 ans, Dina Taurasi, a été désignée meilleure joueuse de l'histoire de la WNBA par les supporters. En différite, en petit élite, la veille a battu Dijon 74-49 avec 7 Henri, 12 points marqués sur les 28 de Dijon à la mi-temps. Charles Acaoudi a mis 10 points et Paul Lacombe 6 points et 7 rebonds. Jacques Anang a mis 11 points. Dijon a fait 30,5% au tir. Le jeune Kimani Onishu, pensionnaire de la Tipeee à Decote Academy, a participé avec la veille, avec 4 rebonds en 14 minutes. Alors que Monaco s'est imposé face au Mans 81-70, 5 matchs que j'aime. Et le Mans était sans Scott Benford. À noter que Tessu Thomas a mis 15,9 rebonds. Dinaj Andujic a inscrit 20 points en 17 minutes. Tandis que chez les femmes, le basket land l'a remporté face à ce carnet 70-46, Kendra Sherry a mis 16 points, 7 rebonds et 3 passes. Mariana Toulou, 17 points, 7 rebonds et la capitaine Céline Dumas, 2 points, 3 passes, 3 rebonds, 2 passes, tandis que Charnay a perdu 26 ballons. En rugby, le Stade français l'a remporté face à Clermont 22-14. Le Sud-Africain Cheikh Kobi, recruté par Toulon cet été, sera enfin à Toulon en fin de semaine pour y poursuivre ses soins. L'entreprise en cyclisme, l'entreprise italienne Santini, spécialisée dans les maillots de cyclisme, a signé un partenariat avec Amaury Sport Organisation et fournira les différentes tuniques du Tour de France, dont le prestigieux maillot jaune. L'équipe d'Ecco a été contrainte de s'arrêter suite à d'importants
problèmes financiers, Mario Rouge, qui était consultant pour France Télévisions, a été nommé directrice du Tour de France féminin, dont la prochaine édition aura lieu du 24 au 31 juillet 2022 en VTT. Les trépieds néerlandais chez les femmes, les trépieds belges chez les hommes, avec Marianne Van Vogt et Isherville en tête. La première manche de la Coupe du monde de cyclocross qui s'est déroulée à Waterloo dans le Wisconsin aux USA. Mario Rouvos, recordman de podium en Coupe du Monde avec 51 et sacré en 2019, s'est imposé pour la 25e fois. Elle a devancé sa compatriote Lucien Debrun à 2 secondes et Denis Bottena à 3 secondes. Quant à elle a également remporté le grand Volkswagen Vantage Gold Race cette année et médaillé d'argent mondial sur la course en ligne. La course masculine a été remportée par le Belge Elie Isherbit, deuxième du classement général 2020, et devant Michael Van Vreugde de plus de 50 secondes, troisième au classement général. Ces deux dernières saisons, et Kitten Hermans à 43 secondes, l'équipe en bas, l'équipe de France féminine s'est imposée face à l'Ukraine 28 à 25 lors de la deuxième journée des qualifications de l'Euro 2022. Tout avait privé toujours de nombreux cadres. Quant à comme Zara dit, Andrew Minko et Pino Ouattara s'est blessé à un genou. Les Ukrainiennes avaient remporté le premier match face à la Croatie 23 à 22. Montpellier a battu ses Rennes 25 à 21. Tandis que Créteil s'est imposé face à Nancy 39 à 32 grâce à Robin Molinet, l'arrière gauche 9 sur 12, dont 2 sur 2 à 3 points, tandis que Karl Wallinus a fait 6 sur 10 et les gardiens montpelliérains ont fait 0 sur 12 pour Martin Sego et 4 sur 17 pour Kevin Bonnefoy. Créteil a battu Nancy 39 à 32 avec 80% de réussite contre 55% pour Nancy.
porté par 20 ans d'un mon meilleur marqueur, 7 sur 8, et les 20 arrêts de Dylan Soyer en hockey. Les Grenoble ont battu Briançon 3-0 dans le cadre de la 3e journée de Ligue Magnus grâce à des buts de Marcus Pouya et de Mathis Despiers et de Florian Flavien Diarre. Briançon n'a pas su profiter de sa supériorité numérique. Ils ont 7 contre 3 et contre 4 défaites en 6 matchs. Tandis que Grenoble prend la tête du championnat en escrime. Romain Canon après le meilleur sur son camarade d'équipe de France, Alexandre Bardonnet, en finale 15-14. Au tour précédent, il avait battu le Néerlandais Raphaël Thuyen en F1. Valtteri Bottas est imposé au Grand Prix de Turquie devant Verstappen et reprend les commandes de la tête du championnat. Car Lewis Hamilton était parti 11e et a fini 5e. Finalement, Maximilian Gott de Mercedes a été sacré champion du monde de DTM après sa victoire sur le Nürburgring de Nuremberg en Allemagne. Nico Müller a annoncé qu'il prendrait part au programme Audi LMD à partir de 2023. En NFL, les Falcons d'Atlanta ont battu les Jets de New York 27-20. Les Vikings de Minnesota ont battu les Lions de Détroit 19-17. Les footballs de Washington ont été battus par les Saints de la New Orleans 22-23. Les Houston Texans ont été battus par les New England Patriots 22-25. Les Tampa Bay Buccaneers ont battu les Miami Dolphins 45-17. Les Cincinnati Bengals ont été battus par les Green Bay Packers 22-25 après prolongation. Les Peterborough Steelers ont battu les Denver Broncos 27-19. Les Carolina Panthers ont été battus par les Eagles de Philadelphie 18-21. Les Jaguars de Jacksonville ont été battus par les Titans de Tennessee 37-19. Les Raiders de Las Vegas ont été battus par les Chicago Bears 9-20. Et les Cardinals d'Arizona ont battu les 49ers de San Francisco 17-20, 17-10, et les Cowboys
dudağlar, un batın ezanyan dönüyor. Kanka ava. O makarnanın üstünden pude anet krim. Alepe, dimanche. À Saint-Denis, à noter l'élimination au deuxième tour du champion du monde 2018, Yannick Borel, 9e mondial opposé à Romain Bustin. Il a perdu sur le score de 12-15 en attachant à Amorillo. Champion olympique du monde et d'Europe du relais du 4x100 mètres a lancé sa plateforme spontanée et qui servira à financer les champions actuels et futurs. En équitation, le Belge Grégory Van Liet s'est imposé au Grand Prix de Lüpfing. Le Français Philippe Roger termine 4e. Il a devancé l'Allemand de Kendra Carica Berikop. La troisième place est revenue à un autre Belge, Josh Valori. Sept cavaliers français sont dans le top 15. Philippe Rogier occupe la quatrième place. Quant à Harold Boissier, il est 6e, Bangane Bordas, 7e, Nicolas Delmotte, 9e, Kevin Stutt, 11e, Simon Delette, 12e, et Paul Delforge, 14e. En patinage artistique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cigeron, qui faisaient leur retour à la compétition après 20 mois sans compétition, avaient décidé d'enchaîner les quadruples champions du monde de danse entre en Nice. En Finlande, à Espoo, lors du Finlandia Trophy. Les vice-champions olympiques ont également dominé le programme libre avec 131.96 pour un total de 217.54. Ils dépassent leurs camarades d'entraînement américains Madison Schultz et Evan Batts, 4e des mondiaux 2021 avec 208.31. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.